quel est l'objectif de l'équipe de France pour le match d'aujourd'hui et puis de manière plus générale pour ces Olympiades? Bon, aujourd'hui, on est favori sur les 4 échiquiers, donc ça serait bien qu'on s'impose 4-0, mais bon, c'est toujours dangereux ici. On a vu qu'hier, il y avait pas mal de surprises. Et pour l'ensemble du tournoi, vu qu'il nous manque nos deux des 4 meilleures joueuses, c'est pas si simple. Mais comme on a fait 5e l'année dernière au Jeux d'Europe, un top 10 par exemple, ce serait déjà pas mal. Et pourquoi pas un top 5? Le top 5 est qualificatif pour le championnat du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le reportage de la deuxième ronde. Aujourd'hui, nous espérons 2-4-0 pour la France puisque les hommes affrontent le Pérou avec Maxime Vachier-Lagrave au premier échiquier qui va affronter Cory. Un match normalement sans histoire, tout comme les féminines qui affrontent l'équipe du Chili. Et c'est Sophie Millet aujourd'hui qui fait sa rentrée à la place d'Almira Skripchenko. Les deux équipes sont grandement favorites et devraient logiquement l'emporter. Il faut réaliser des matchs pleins aujourd'hui. A noter l'apparition des premiers échiquiers, puisqu'hier, lors de cette première ronde, la plupart d'entre eux se sont reposés. Aujourd'hui, nous avons la venue d'Ivanchuk pour l'Ukraine, de Nakamura pour les États-Unis, de Vladimir Kramnik pour la Russie ou encore Wang Hao pour la Chine et Mickey Adams pour l'Angleterre. Chez les femmes, toujours pas de Hui Fan au premier échiquier. En revanche, Anna Muzicuk, la numéro 3 mondiale, fait son apparition pour l'équipe de Slovénie, tout comme Katerina Lano pour l'équipe d'Ukraine. Just trying to make your best as always and try to beat our last position in the last Olympiad. So we finished at 17th and we're going for something better. Is it the strongest team you ever had for Olympiad? I think so. We want to do better than our previous Olympiad and hopefully reach top 20. Should be good for us.